Si vous avez regardé mon house tour dernièrement, vous êtes du coup bien évidemment au courant que... Je déménage. Et il était évident que je filme ce déménagement et vous allez le voir, il est rempli de rebondissements, des fois positifs et des fois négatifs. Mais on le sait, un déménagement, ça se passe jamais comme prévu. Aujourd'hui, on est le dimanche 2 juillet, J-10 avant le déménagement. J'arrive pas à me dire que ça y est, ça arrive. J'ai encore pas commencé les cartons, j'ai encore rien commencé, ça va pas... du tout. J'ai récupéré les clés de l'appartement lundi, donc en début de semaine, et j'ai envie d'y aller. Voilà, j'ai juste envie d'y aller, donc je me suis dit que j'allais vous amener pour vous le montrer vide. Je pense que ça va être le meilleur moment pour vous le montrer vide, parce que pendant le déménagement, ça va être galère. Enfin, je vais pas laisser tout le monde en stand-by en disant restez dans l'ascenseur. Bon, donc je fais un petit appartement tour vide. Il faut que je trouve une chose à ramener avec moi. Je vais ramener une chose maintenant. Une chose un peu emblématique. Je vais chercher. Et bien, cette chose bien emblématique sera mon appareil à raclette. Parce qu'il faut savoir que c'est littéralement l'un de mes plats préférés. Et là, ma tenue, ça va vraiment être une tenue du dimanche, je suis en jog. Je vais mettre les lunettes pour pas que je me tape l'affiche dans la rue. Mon refresher. Le comble, je vais mettre mes tugs. Et surtout, n'oublie pas l'appareil à raclette. C'est parti, let's go! Quand je vous dis que j'ai pas commencé, regardez, j'ai reçu les cartons, les papiers de bulles, les films et tout. Déjà, je pense que j'ai clairement pas assez pris. Hein. J'ai cru que j'avais 4 sacs et 3 culottes à ranger, mais il va falloir que je commence par contre. Il me reste 10 jours. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de louer le camion. Mais est-ce que je vais savoir conduire un camion? Enfin, un camion, vous avez compris, je vais pas rouler, je vais pas conduire un poids lourd. Mais un utilitaire, je pense que ça s'appelle. J'ai jamais compris pourquoi ils ont donné ce nom. Parce que c'est utile. Ah, mais vous pensez que j'aurais dû mettre des piles? Parce que moi, il me l'a donné, je l'utilise comme il me l'a donné. Hein. Oh là là. On va de toute façon en avoir le cœur net, j'arrive. Le bip marche. Le bip fonctionne. Mais là je découvre, hein. C'est la première fois que je fais le trajet du parking. Je découvre my new parking. Oh là là, il est long le trajet là, moi je vais me perdre. Ok, let's go. Alors attendez, alors là on rigole moins. Richard, où est ta place? On est arrivé. C'est parti pour le tour de l'appartement vide. Donc ici on a la porte d'entrée, donc on a quand même un petit couloir, une petite sorte d'entrée, vous voyez. Tout ça, ça constitue l'entrée. Ce qui est très cool, c'est qu'on a des rangements dès l'entrée avec full miroir, donc ça c'est trop trop cool. Et ce que j'adore aussi, c'est que quand on rentre, donc là je suis au niveau de la porte d'entrée, à gauche on a le coin vie et à droite on a le coin nuit, et ça je trouve c'est trop cool. Par contre j'aimerais trop dégonder la porte, vous savez, l'enlever, parce que elle reste, clairement ça restera toujours ouvert, et bah, ça gâche le miroir et l'accès au placard. La cuisine, ce qui est cool, c'est que déjà il y en a une. Je vais en refaire installer une. Elle est belle, elle est noire, blanche, un peu dans mes tonalités, donc c'est bien. Et les placards ne sont plus noirs, donc je vais plus galérer à nettoyer. La place pour mon frigo. Ici, ben, du coup, c'est l'espace de vie. J'ai le droit, comme vous pouvez voir aussi, à une terrasse slash balcon. J'ai envie de mettre des plantes, petite table. Les premières choses que je dois installer, c'est quand même des rideaux. Parce que là, c'est quand même open bar de ce qui se passe chez moi. Voilà les toilettes. Avec un petit lavabo, toilettes séparées, c'est toujours très cool, en plus il y a de l'espace. Donc je vais pouvoir mettre, comme dans l'ancien appartement, un petit meuble où j'ai mis mes chaussures et tout, vu que c'est à côté de l'entrée. Ensuite ça se présente comme ça, on a les deux chambres juste là. On a d'un côté celle-ci qui va servir de dressing, slash rangement make-up, slash un peu pièce de travail quoi. Quand on met du côté de la fenêtre, ça donne ça. Donc là j'imagine mettre les meubles PAX un petit peu comme ça en angle. Et ici mettre une coiffeuse. J'en ai jamais eu, mais je pense que ça peut être très utile ici, parce que je pense que je tournerai plus toutes mes vidéos ici, j'irai à l'agence, comme je faisais dans mon ancien appart. Ici du coup, ce sera ma chambre, donc qui est aussi très très grande. Bon, il fait pas très très beau là, puis il est genre 20h30. C'est sûr qu'il sera pas lumineux comme mon ancien appartement, parce que mon ancien appartement était plein sud, 8e étage, plein de baies vitrées, donc c'est sûr, mais bon. J'ai des ampoules, donc tout ira bien niveau lumière. Mais je sais pas encore comment je vais l'agencer, si je fais de façon classique, comme dans l'ancien appartement, le lit au milieu, les tables de chevet de l'autre côté. Je cale le lit de ce côté contre le mur, et du coup ça me laisse tout cet espace de libre. Mais je pense que j'ai envie de faire comme ça. Et ensuite on continue ici, donc là c'est le placard où il y a la fibre, l'électricité, le panneau électrique et tout. Et on a la salle de bain. Donc voilà, une seule salle de bain, ce qui est bien plus normal pour une seule personne. Malheureusement, et ça c'est le truc qui me saoule le plus, c'est qu'on est sur une baignoire et pas sur une douche. Moi je suis très team douche, je prends jamais de bain. Et je trouve que c'est trop chiant de prendre des douches dans une baignoire. Le petit chauffe-serviette, le petit meuble vasque, voilà, avec un miroir. Et là ce qui est trop cool, c'est qu'il y a un petit renfoncement spécial pour les machines à laver, sèche-linge. Donc ce sera parfait. Je vais mettre un petit tapis rond au milieu et tout. En fait c'est bizarre, mais j'aime bien. J'adore...
mes pièces. De toute façon, on n'arrive jamais à se rendre compte tant qu'il n'y a pas les meubles. Ça m'avait fait ça dans l'ancien appartement, j'avais l'impression que c'était tout petit. Alors que clairement, c'était loin d'être tout petit. En fait, on n'a pas d'échelle sans meubles. Donc on se dit, mais comment tout va passer tout? Mais en vrai, je pense que non, ça sera très très bien. Tout passera pas, c'est sûr, mais est-ce que j'avais besoin de tout ce que j'avais? Non. Je suis bien ici, je le sens, je vais bien. Là, dans 10 jours, je déménage. Donc 10 jours, on sera 4. Il y a 3 potes à moi qui vont venir m'aider. Reda, Sana et Ryan. Donc je suis trop content. J'ai réussi à réunir 4 potes parce que tout le monde n'était pas dispo. Voilà. C'est le moment des festivals. Puis les gens sont clairement pas à ma dispo. Tout le monde a des vies. Hein. En vrai, c'est largement suffisant, je pense. Ce sera mon premier déménagement de meubles alone. Pour tout ce qui est administratif et compagnie, j'ai fait le changement d'électricité et le changement d'adresse pour l'électricité, donc Total Energy, c'est fait. J'ai fait pour Orange pour la fibre, la Wi-Fi, etc. L'eau, chauffage et compagnie, j'ai pas à faire parce que c'est dans les charges, donc ça c'est good. L'assurance habitation, de toute façon tu peux pas avoir les clés d'un appartement si t'as pas d'assurance. Donc l'assurance habitation c'est good. Par contre, faites attention, je vois que depuis un an, mon assurance habitation de mon ancien appartement, donc même pas celui que j'ai actuellement, l'ancien, tourne. Donc faites attention avec vos assurances habitation, parce que des fois, ils vous disent oui, c'est résilié, mais revérifiez derrière. Les prochaines étapes, vraiment, il faut que je fasse les cartons chez moi, le déménagement et la nouvelle vie. On est le lendemain, je vais officiellement commencer les cartons pour le déménagement. Avant, je recharge un peu les batteries avec un latte glacé. Oui, j'ai carrément été acheter les verres que maintenant propose Starbucks, parce que je les trouve trop stylés, je suis vraiment un pigeon. Là, j'ai reçu mes cartons de déménagement. Là, on est à J-9 du déménagement, donc j'ai décidé de commencer les cartons aujourd'hui parce que j'ai peur de manquer de temps. Tout simplement, j'ai peur de manquer de temps, puis j'ai pas envie de me faire des journées de 12 heures de carton, donc je préfère éparpiller mon temps. Mais le seul problème, c'est que je ne sais pas par où commencer, parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de tout jusqu'à ce que je parte. Alors que clairement, non, tu vois, il y a des choses que j'ai pas touchées depuis 6 mois, par exemple. Après, je pense pas que je vais me filmer non plus à faire des cartons pendant des jours et des jours, parce qu'en fait j'ai un petit rituel. Moi j'aime bien me mettre des films ou des vidéos YouTube qui durent 4 heures quand je fais ce genre de choses, et pour moi ça n'a pas d'intérêt de juste vous me voyez faire ça. Mais je vais faire des petites updates et vous dire par quoi je commence, etc. Oh my god, ça devient réel. You can come with me. En train de passer devant ce meuble, bah je vais faire ce meuble. Je vais pas utiliser mes petits plats, etc. d'ici 8 jours, clairement pas, donc go. Petit haul de ce que j'ai pris. Du papier bulle, parce que le papier bulle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, surtout pour le make-up, la vaisselle et compagnie. J'ai pris du film aussi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça pourrait être utile. Des rouleaux de scotch, là je pense encore qu'il n'y en a pas assez, donc j'ai en racheté. Et je me suis pris, mais ça je pense que c'est une arnaque. Ah mais j'en ai pris plein! C'est genre des couvertures de déménageurs pour emballer genre votre télé, votre ordinateur, enfin les choses un peu fragiles que vous pouvez pas mettre dans des cartons. Puis là c'est un spécial vaisselle, alors j'ai eu un kit. J'en ai des verres. Je le sens mal mes puces, je le sens mal. On est mal parti. Vous voyez le problème? C'est que bah, les verres sont plus hauts que les trucs. Et si je mets les deux d'affilée comme ça? Mais voilà, oh, Richard, à chaque fois il y a une solution. Là, on est 2 jours après le dernier plan. Je suis fond dans les cartons. Là, quand même pas, on a quand même bien avancé sur la cuisine. J'ai commencé le carton de la salle de bain. J'ai fait un gros tri skincare. Et franchement, c'est ridicule et c'est aberrant tout ce que j'avais. J'avais pas mal de produits skincare qui dataient de mon ancien appartement, donc des soins qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans. Et ben j'ai dû jeter quasiment tout parce que ben le skincare ne tient pas autant de temps une fois que c'est ouvert. Et avant en fait je consommais pas le skincare comme je le consomme maintenant. Avant je voulais tester plein de choses pour vous montrer plus de choses possibles et faire des revues, etc. et tout. Maintenant c'est plus du tout le cas. En fait depuis mon déménagement l'année dernière, je me suis rendu compte de la surconsommation de produits, je vous en avais parlé de toute façon, et que maintenant je consommais plus pareil, j'acceptais plus autant de produits des marques. Et là, en faisant le tri du skincare, j'étais en mode ah ouais, parce que le make-up j'avais déjà fait le tri l'année dernière. Le skincare j'avais jamais fait le tri, j'avais ramené des produits pour les ramener clairement pour remplir mes tiroirs. Et là j'ai fait un tri et c'est choquant. Dans les 2 meubles de salle de bain, j'avais tout, à peu près tout mon skincare. Il y en a encore, j'ai laissé ce qu'il y a ici parce que là c'est ce que j'utilise au quotidien, donc je les enlèverai à la fin. Ça c'est des produits neufs que je vais pouvoir donner, etc. Et ça, c'est des produits que je vais devoir me séparer. Et c'est des produits, vous voyez, qui datent d'il y a super longtemps. Genre les masques Glam Glow, genre les masques Summer Friday. Attendez, j'ai trouvé quoi? Les masques, vous vous souvenez du masque Peeling Boschia là? Il avait fait en rose et tout. Enfin vous voyez, c'est des produits qui datent d'il y a des années, des années. Et quand on voit ça, on se dit oui c'est honteux et tout. Et je suis le premier à trouver ça honteux, hein, vous inquiétez pas. Et en fait, bah tu vois que tout ça, ça date de plusieurs années. C'est pas en 6 mois j'accumule tout ça et je jette parce que je peux pas, je veux plus utiliser. C'est juste que je peux plus, c'est mauvais. Enfin les produits ont muté, attendez. Genre ce masque Glam Glow,
littéralement muté, genre. Sachez que ça fait un an que je consomme plus pareil les produits. Ça date d'il y a avant mon déménagement ici, donc d'il y a au moins 2 ans. Maintenant, de toute façon, j'accepte presque plus rien en skincare de temps en temps des produits, et surtout les marques avec lesquelles je travaille et les produits que j'utilise. Voilà, en tout cas, j'avance bien. Maintenant, je pense que je vais aller m'attaquer aux fringues avant le make-up, je pense. Je m'attaque au make-up. Parce que je pense que les vêtements, si on a plus besoin pendant 6 jours que de tout le make-up, clairement. Il va falloir mettre tout ça dans les cartons. Mais clairement, pour me faciliter la tâche, je vais prendre les bacs directement. Je vais tout laisser comme ça dans les bacs. En vrai, là, tu gagnes grave du temps. T'auras juste à prendre et à remettre. Chine. Là je suis sous réfraîche à citron vert, il fait 30 degrés, j'ai envie de décéder. J'ai décidé de prendre un espace de stockage, un box, parce que dans le nouvel appartement il n'y a pas de cave, il n'y a pas ce genre de choses. Moi j'ai jamais eu de cave dans mes appartements et je trouve que c'est tellement pratique pour des choses que tu n'as pas envie de stocker chez toi, bah tu peux le stocker quelque part. Du coup j'ai décidé de prendre un espace de stockage parce que bah, mon appartement du coup est un peu plus petit que celui que j'avais actuellement et possède aussi beaucoup moins de rangement. Dans l'appartement que j'avais jusqu'à maintenant il y avait pas mal de rangement, il y avait pas mal de placards, ce genre de choses. Dans le nouveau il n'y en a qu'un à l'entrée, moins pratique et j'avais pas envie de le blinder de choses que je voulais pas voir. Enfin pour moi c'est à l'entrée, c'est pour les manteaux, ce genre de choses. Donc je me suis pris un petit espace de stockage, c'est un peu comme une cave, un peu comme un box mais qui est pas chez vous, donc que vous allez mettre des choses dont vous n'avez pas avoir besoin souvent. Ça va être l'endroit par exemple où je vais pouvoir ranger ma clim quand c'est pas l'été, que je vais pouvoir ranger le sapin de Noël, les décos de Noël, des cartons de make-up, enfin plein de choses que tu vois tu n'as pas besoin d'avoir chez toi. Et j'avais pas fait gaffe à l'adresse, c'est à 3 minutes à pied de chez moi. La praticité, 5 mètres carrés, il me semble, de toute façon je vous mettrai une vidéo et c'est largement suffisant, j'avais pas besoin d'un énorme truc, je peux mettre des gros meubles. Ça y est, je m'attaque à la dernière pièce de l'appartement. On est, comme vous avez pu le voir, dans le dressing. Je pense que ça va quand même aller relativement vite. Je dois vider les vêtements. Et les vêtements, en vrai, c'est ce qu'il y a de moins chiant à mettre en carton. Parce qu'il n'y a rien besoin d'emballer et tout, ça va très vite. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait un tri du dressing il n'y a pas longtemps. Donc au moins, tout ce qu'il y a là, je garde. Et truc un peu moins fun, je vais devoir quand même démonter le dressing. On va garder la structure parce que... Ok, Ikea très sympa, mais j'ai trop peur du bourbier, en mode tu démontes et tu peux pas remonter parce que Ikea c'est pas non plus la qualité de l'année, c'est très bien rapport qualité-prix, mais je pense que c'est pas fait pour démonter et remonter 15 fois, donc je vais juste enlever les portes et enlever les structures qu'il y a à l'intérieur, mais sinon on va garder la structure de base, mais par contre, je ne sais plus si ça passait dans l'ascenseur. Et vu que je suis au 8ème étage ici, il vaut mieux que ça passe dans l'ascenseur. Il y en a pas mal quand même, hein, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai 10 packs entre le dressing et le make-up. En plus, en vrai, j'ai besoin de tout ça. Peut-être que je vais m'en séparer de certains. De quoi remplir mon espace de stockage. Ok, c'est parti, let's go. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la méthode de Marie Kondo, il me semble, de plier les vêtements. Je trouve que ça prend beaucoup moins de place. Pour ce qui s'agit des pulls, ça prend énormément de place dans un carton. Donc j'ai décidé de remplir une valise de pulls, parce que n'oubliez pas de remplir vos valises. À quoi ça sert de transporter des valises vides? Ça y est, le dressing est vidé. Maintenant, je vais dévisser ces portes. Je vais chercher ma visseuse-dévisseuse. Très important, vous ne lancez pas dans un carton de vis classique, parce que vous allez mettre une vie à le faire. C'est parti. Ah, oh, c'est pas ça qu'il fallait enlever. Une porte d'enlever. C'est ce qui s'appelle un bon début. C'est pas comme s'il m'en restait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à enlever. Aïe. Me suis fait mal au doigt, y'a personne pour faire un bisou. Note le fucking pochon Dior pour mettre toutes mes vis. Je fais ça sous 30 degrés. Mes cheveux, on dirait que je sors de la douche.
de moi qui vient de me rendre compte qu'il va falloir que je sépare les deux parce que ça, c'est un meuble d'angle. On peut pas le descendre comme ça sinon? Allez, Lily, on est plus à ça près, hein. Bah, on est bon, hein. Le dressing est enfin démonté parce que ça, je vais pas démonter. On se retrouve dans deux jours, le jour du déménagement, pour voir si ça passe dans l'ascenseur et si on sera pas obligé de le démonter. Sananas qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles avant le déménagement, ce qui va venir m'aider. Ça va? Ça va et toi? Non. Non, j'en peux plus. C'est quoi ce délire? Sana, pourquoi? Je réemménage. Je déménage plus. La nuit qui a suivi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas réussir à gérer le déménagement. J'ai eu peur de tout. Et je me suis dit que je faisais une bêtise en voulant faire ça seul. J'ai appelé ma maman et j'ai fini par appeler une société de déménagement. Bon, changement de programme. Il s'est passé plein de choses ces deux derniers jours. De base, je devais déménager juste avec des potes et un camion de déménagement que j'allais louer pour pouvoir déménager. Ensuite, j'ai eu peur et je me suis dit, je vais jamais réussir, on va jamais réussir à déménager tout ça tout seul. Le fait que j'ai un escalier avec le plus gros de mon déménagement là-haut, c'est-à-dire les dressing packs et la machine à laver qui pèse une tonne, ça me faisait peur. Le fait qu'un de mes potes à moi a eu un problème perso, il m'a dit je serais peut-être pas là, m'a angoissé. Et qu'est-ce que j'ai fait? La veille pour le lendemain, j'ai vu prendre une société de déménagement. Et c'est là où je me dis que j'ai eu de la chance qu'on me prenne pour un prix pas trop dégueu, donc franchement je suis content. Là on est mardi, et demain mercredi, il y a 4 déménageurs et un camion du coup qui vont venir m'aider avec mes potes à déménager. Donc avec mes potes on va charger des cartons et eux se chargeront de tout ce qui est lourd. Ils vont pouvoir démonter les packs et les remonter dans mon nouvel appartement. J'ai juste peur qu'en les démontant ils arrivent plus à les monter parce que c'est un truc qu'on doit clouer. Enfin j'ai juste peur de ça. Donc j'espère juste qu'ils vont pas me les défoncer. Au total on a 8 paires de bras demain. Je pense que j'ai sous-estimé ce déménagement. Je voulais trop le faire tout seul en mode comme dans les films, faire un petit déménagement tout seul avec ses potes et tout. Ça va être sympa et ça va faire des souvenirs. Mais en fait je pense que le fait déjà que ce soit un duplex et avec des choses à l'étage, ça complique les choses. Et le fait que j'ai autant de gros meubles, de choses lourdes, ça complexe les choses aussi quoi. C'est pas des petits cartons et puis aller à un canapé puis une table basse. Il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a un énorme frigo, un four, enfin. Là, le plan, c'est de finir les cartons qu'il y a à faire ce soir. Demain, les déménageurs débarquent à 9h du mat. Et c'est le grand jour, ça y est. C'est mon dernier dodo à l'appartement. Je suis trop content. Ça, c'est la vie. Je pense que ça a très bien tenu. Et regardez, ça laisse aucune trace sur le mur. Il y a zéro trace. Ça n'enlève pas la peinture, rien. Achetez plus que ça. Hein. Après, je sais pas si ça en existe pour des charges lourdes comme des miroirs. Mais pour les cadres, c'est génial. Ça y est, c'est le jour J du déménagement. Ça y est, les fameux packs make-up descendent. Bon, ceux-ci, on n'a pas besoin de les démonter parce que c'est les petits, ils font 2 mètres. Après, il y a ceux du dressing qui font 2 mètres 40 et eux, je pense pas que ça passe. Mais les déménageurs sont incroyablement soit fous, soit gentils. Je sais pas, parce qu'ils m'ont dit au pire, on les descend par l'escalier. Mais il y a 8 étages. Genre, ils m'ont dit, c'est pas grave, c'est pour vous, on n'a pas envie de vous les abîmer, donc on vous les descend. Je suis choqué des déménageurs. C'est vraiment des cœurs. Franchement, je pourrais pas mettre les coordonnées des gens. Comme ça sur les réseaux et tout, mais si vous avez besoin de déménagement, machin et tout, vous m'envoyez un DM et moi je vous passe les coordonnées du mec. Il est incroyablement gentil, genre je suis choqué. La première main d'œuvre est arrivée. Ah si, par contre. Pour le moment ça va, je supervise les travaux. Bah j'avoue qu'en premier temps ils ont été super vite, hein. Il est venu avec une petite chemise Balenciaga, un bleu de travail. Bah voilà, c'est ça, c'est oh, finesse. Il en sandalette ou je rêve? Je suis du coup pas comme. Mais non, bah. Je suis archi bien dedans, t'inquiète pas. Je vais. Oui, mais on fait un déménagement, tes pieds c'est dangereux. C'est pas dangereux, ma bah, je vais faire attention. Regardez les fashion, vous avez vu. Tout ça, c'est pour le box. Mais je pense que ça va regarder, sinon j'ai prise de prendre un box. Oh, j'allais mettre où tout ça? Non mais. Oh. Et je pue. J'en peux plus. Les mecs, ils ont mis deux cartons dans un box. Hein. Ouais. La dernière est arrivée. Toute glam pour le déménagement. Mais c'est la seule qui a des baskets parce que dans les mecs, il y en a un qui a des sandalettes et un qui a des claquettes quand même. Au début, j'allais mettre des espèces de sandalettes aussi. Je me suis dit, mais si tu tombes, il y a un truc qui tombe sur le pied. Bah ouais. Tu pleures. Le mec nous juge. Il n'a pas de tuteur. Il n'a pas de maître. Puis son maître est dans les cartons. Et tu leur as dit que t'allais pas prendre de déménageur ou pas? Oui, oui, bah ça, il y a eu toute explication. Ah, c'est bon, ça. Ok, d'accord. Il y a plein de choses. Je pense que t'es pas en position de. De juger. De juger. Non, on a une petite story time par contre à raconter à Sana. Là, il s'est passé un film. Vraiment film. Film de ma mère en plus, tu te dis. Ah, pas mal le quartier. Il s'est passé quoi?
Il y avait quelqu'un? Non. Non, 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 non. Un bon ah film. Non, mais un film, genre un film à l'américaine d'amour, genre de star. Ah ouais, film. Genre, on ouvre le balcon, ah ouais, on prend l'air sur le balcon, on regarde la vue, et là, un mec torse nu nous fait comme ça sur le balcon en face. Genre, salut. Putain, j'ai loupé ça. Ah ouais, ah ouais, non, mais quel, puis, quel étage? Là-bas. En plus, ça a vraiment fait coucou, genre comme dans les films. Et vous genre, les nouveaux voisins. Bah oui, de ouf, on a fait comme ça. Franchement, la vérité, vraiment, action de film, on a rigolé. Très, très bel accueil. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, ouais, tu vois. On même les voisins, on a croisé des voisins et tout, très ouais, tout le bonjour, là, pareil, on est en train de descendre à l'instant, on a croisé des voisins à lui, qui étaient avant tenue de sport, et il leur a pas posé des questions, ouais, tout. Trop cool, ça se voit, non, franchement, ça... Ouais. Moi je vais vous dire la vérité sur ce déménagement. Richard n'a pas mis de batterie de visseuse à charger. Richard il s'est cru dans Friends. En fait il a cru que le déménagement ça allait être comme ça, qu'on allait rire ah 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 avec des boîtes à pizza, qu'on allait servir des cartons comme table. Vous voyez le genre? C'est trop cru dans un film. C'est pas la vraie vie ça Richard. Jusqu'à moins 48 heures avant, on lui a dit « Richard, faut des déménageurs, arrête tes conneries ». En plus, on s'est retrouvés à 4, finalement. Je sais pas où ils sont passés, les 10 autres personnes. Genre, ils sont tous au festival, là, ou je sais pas quoi. De base, on était que 3, hein. Ouais, mais dans son groupe, il y avait pas au moins 10 personnes. Ça y est, ils ont fini les packs. En plus, vous savez à quel point c'est la misère, je sais pas si vous avez des packs chez vous, de monter les portes. T'as vu les poignées, comment il les a montées, Richard, ou pas? Va voir les poignées des packs, s'il te plaît. Elles sont pas droites. Elles sont pas droites. On a une qui est de travers. Non mais Richard, vraiment. Est-ce que t'as un mot à transmettre à Richard, au moins qu'il est pas là? Monte plus jamais rien de toi-même. Hein. Appelle des gens à chaque fois parce que là c'est... Même des trous pour les poignets, appelle des gens, Richard. On s'attaque à la pièce make-up et Sana est aux commandes, of course. Qui d'autre? Le chef de cette partie. Vraiment. Et qui a à la partie dressing et vêtements? Chacun a son expert. Vraiment. On est en train de ranger le dressing. Ryan a eu le malheur de demander ça à toi, les bérets. Reda, ta réaction? Ouais, mais ça, c'est à cause d'Emily in Paris. Non, c'est pas ça. On dirait vraiment genre... Sana, on est d'accord, team béret. Bah oui, c'est mignon. Non. Mais rien quand ça te va bien. On dirait un pizzaiolo. Non, ça lui va pas du tout. Les copains, on est venus à bout de ce déménagement. Merci à mes deux déménageurs acolytes préférés, Sana et Reda. Il y a aussi Ryan qui nous a beaucoup aidé, mais il est rentré dormir, le pauvre, il était au bout du rouleau. Et là, on finit un déménagement comme il se doit avec... Une pizza. Une pizza. La bonne bouffe bien grasse qui fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo déménagement vous a plu. Il y aura d'autres petites vidéos qui arriveront sur l'appartement. Et bien sûr, la caméra a coupé avant la fin. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Pour louper. Des likes, ça donne de la force pour nous soulager après ce déménagement, tu vois. Vraiment, vraiment. Gros bisous tout le monde. Bisous.